Mesdames, messieurs, bienvenue à bord du train Intercité à destination de Nantes. En train, tous responsables. Thank you.
Initialement, ça avance à naturel, mais le point le plus haut est plus par là, entre le port et l'île de Léron. Il a fallu recentrer pour toute son efficacité. On va vous expliquer tout ça. Mesdames, Messieurs, après avoir traversé le Pertuis d'Antioche, nous voici arrivés en rade de l'Iltex. Avant de vous parler du Fort Boyard et de s'en approcher, j'aurais voulu vous situer un peu. Sur notre arrière, tout d'abord, il faut imaginer que nous avons laissé La Rochelle. Nous sommes à environ à 20 km du vieux port de La Rochelle, par bateau bien sûr. Sur notre droite, vous trouverez l'île d'Oléron. Boyard, bien évidemment, grâce aux émissions de télévision, les clés du fort. C'est sous Napoléon, en 1804, que les travaux de ce fort commenceront. Car à cette époque, il faudra enfin trouver le moyen le plus efficace afin de protéger la rade de l'Iltex. Bien sûr, les commerces dédiés à la restauration, l'hébergement, les souvenirs et la location de bateaux. À terre, vous apercevrez aussi. Au revoir, bon retour. Au revoir, merci, bon week-end. Bon week-end, à bientôt.
Gare Montparnasse. Bien sûr. Première hâte à le 15. Impossible, très mieux d'avec. J'ai du pain de sel. Ouais, ça m'a cassé. J'ai mangé du pain de sel.